Eh bien, salut à tous les amis, c'est Benouille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour le 4e épisode de Medal of Honor, les Faucons de Guerre. Voilà, installez-vous bien les amis, et c'est parti donc pour le grand final de la campagne de Saint-Nazaire. Car oui, pour rappel, nous avons déjà fait 3 missions à Saint-Nazaire, aujourd'hui c'est la 4e et la finale, comme c'est bien indiqué ici dans l'état de service. On a donc accompli 3 missions sur 4, donc c'est parti pour la toute dernière de Saint-Nazaire. Alors, petit résumé donc de l'épisode précédent avant que l'on commence cet épisode avec la 4e mission de Saint-Nazaire. Alors, la mission de l'épisode 3 consistait simplement à aller faire exploser une centrale électrique. Donc comme d'habitude, il y avait quelques objectifs secondaires sur le chemin, notamment comme sécuriser le phare, faire exploser un sous-marin. Il y avait quoi d'autre? Faire exploser, oui, des prototypes de V2, je crois. Donc voilà, il y avait quelques petits objectifs secondaires comme ça sur le chemin à faire. Toujours éliminer l'espèce de colonel allemand, là, qui a... C'est un peu le boss du niveau à chaque fois, retrouver les documents. Voilà. Tous des trucs comme ça à accomplir toujours dans la mission, et donc il y aura toujours le même système pour chacune des missions. Bref, je pense que vous avez compris maintenant. Et donc, sans perdre de temps, nous allons commencer donc la 4e mission à Saint-Nazaire. C'est parti. Voilà, on arrive sur la carte du monde, et nous allons donc sélectionner la seule campagne qui est disponible pour le moment, Saint-Nazaire, pour la 4e et dernière mission, les amis. Évasion à l'aube, c'est parti, écoutons le débriefing de notre mission. J'avais espéré que l'obscurité nous laisserait du répit, mais le jour va bientôt se lever. Campbellton pourrait sauter à n'importe quel moment. On doit partir d'ici maintenant. Les Allemands détiennent nos canaux, donc nous devrons nous frayer un chemin par la ville et nous diriger vers la campagne. Custer sait que nous arrivons. Il attendra. Ces commandos sont les hommes les plus courageux que j'ai jamais vus. L'histoire se souviendra de cette nuit, même si on survit. Ouh. Donc, en gros, d'après ce qu'il vient expliquer là, il va falloir quitter la ville car apparemment tout va exploser, d'après ce que j'ai compris. Donc l'objectif principal est donc de fuir Saint-Nazaire. C'est notre objectif principal. On aura donc 3 objectifs secondaires sur notre chemin. Okay. On a donc éliminé Erich Coaster, donc il va nous empêcher de quitter la ville. Donc apparemment, il nous attendra tout près de la sortie de la ville, d'après ce que j'ai compris. Et il y a également des documents secrets. C'est quoi? Obtenir le manifeste des navires d'Afrique du Nord. Ah, tiens donc, d'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, en plus, c'est la 2e campagne du jeu, si je me rappelle bien, quand on aura fini Saint-Nazaire. Donc, ok, intéressant. Ok, on connaît notre objectif, donc c'est parti maintenant. Allez, j'espère que vous êtes chaud. Évasion à l'aube. Ok, donc maintenant on est vraiment au centre de la ville de Saint-Nazaire. La carte avait l'air assez grande. Va falloir faire attention de ne pas se perdre. Voilà, tout simplement. Allez, let's go. Ok. Oh non, ici donc nos 3 hommes qui font partie donc de notre escouade pour cette mission. Ok, donc, qu'est-ce qu'il a dit là? Il fallait... Donc on n'a pas le droit à avoir de renfort pour le moment, il va falloir se démerder nous-mêmes. Ok, donc rien comme information. Ils ont remarqué qu'il y avait des Allemands dans des maisons là-bas, donc ok, il va falloir les défendre et avancer vers la sortie de la ville. Alors la carte! Jetons un petit coup d'œil. Parce que mon PC qui se réveille là. Voilà, donc on est là-bas. Oh putain, il faut aller à l'autre bout, ça a l'air hyper grand. Ouais, là, il a... Ouais, ouh putain, ouais. Là, il y a du chemin à faire. L'épisode risque de durer longtemps. Ok, c'est parti, on a nos 3 hommes. Salut à toi, garde Perkins, garde Queen, Queen, c'est la reine, pardon, jeu de mode merde. Et garde Edmunds. Ok, c'est parti les gars, on a toujours nos 2 armes, la M.A. Garand, la Thompson, donc c'est parti pour jouer. On avance. Vous me suivez les gars? Comment je les rappelle déjà? C'est pas avec cette touche là que je dois les rappeler? Ah si, voilà, il a dit suivez Hold, donc c'est bien cette touche-là, ok. C'est vrai que je leur donne pas assez l'ordre d'aller se planquer quelque part avec cette touche-là. Merde, ça c'est des grenades, c'est con. C'est quoi la touche? C'est celle-là? Ah oui, voilà. Là, avec ça, je peux leur dire, allez vous cacher là-bas. Allez, allez, allez. Donc là, normalement, mes 3 hommes devraient aller, voilà, dans cette zone. Vous voyez? Et là, je peux les rappeler avec la touche L3. Normalement. Voilà. Là, je les ai rappelés et ils reviennent. Voilà. Et ça, je le fais pas assez, mais c'est vrai que ça pourrait être utile. Bon. Oh putain, ok, ça commence. On passe nos têtes, n'oubliez pas que c'est la manière d'être le plus sécurisé. Hop là-bas. Oh putain, j'arrive pas à le toucher, voilà.
Ok. Bah, n'oublions pas qu'on est en difficulté élite. Du coup, faire attention à notre vie. On a 3 trousses de soins et une réanimation. La réanimation, je l'ai obtenue parce que j'ai eu la médaille d'or. Et les 3 trousses de soins parce que mes 3 membres de mon escouade étaient encore vivants à la fin de la mission précédente. Pour petit rappel. Attention. Il y en a après moi, lui, mais c'est bon. Il m'a pas touché, il est nul. Ok. On avance doucement. Pas foncer dans le tas, tête baissée. Alors, j'ai cru voir du monde par la petite fenêtre ici. Ah bah. Putain, je crois qu'il est mort. J'ai entendu un... J'ai vu quelqu'un là-dedans. Parfait. Non, il est pas mort, je crois. Là. Maintenant, il l'est. Ok. Toujours bien fouillé pour les trousses. Je ne me suis pas fait toucher une seule fois pour le moment. Puis ça me tire mon temps ici au cas où, mais il ne me sert à rien. Merci beaucoup. Ok, donc il m'a dit de trouver des munitions dans ce bâtiment, donc sûrement à l'étage. On sent qu'il reste pas un petit ennemi là-haut. Aïe putain! Que par derrière, ça c'est fourbe! Putain, j'ai dit de faire attention en plus. Hein. Ah, bande d'enfoirés. Ah, il y avait une trousse en plus. Ah, enfoiré. Alors on a une arme ici, c'est une MP40. Non, elle a moins de munitions et puis la Thompson a une meilleure portée. Donc je vais garder ma Thompson. Putain, mais ceux qui ont des carabines comme ça, en une seule balle, ils m'enlèvent genre un tiers de ma vie. Hein. C'est assez abusé. Heureusement que les tirs de mitrailleuse n'enlèvent pas autant de vie, hein, parce que sinon on serait déjà mort depuis longtemps. Alors, attention. Toujours pas d'objectif secondaire pour le moment. Oh putain, là-haut. Ok. Ça s'appelle se casser la gueule comme une merde, ça. Ok, on continue dans les rues. Donc là, je suppose, sur la carte, qu'on avance dans la rue principale qu'on a vue. C'est bien ça. Oh, ça va, on avance assez vite, en fait. Oh, ça va. Bon les gars, venez, on va aller se planquer ensemble. Non, il y a déjà les... toutes les planques sont déjà prises. Où est-ce qu'il va lui? Il est sorti de nulle part. Il est sorti de ce bâtiment. Il y a peut-être quelque chose là-dedans du coup. On va aller voir. Là-bas, j'ai vu des têtes. Headshot. Headshot. Ah non, pas celui-ci. Je croyais que j'étais un headshot, mais non, j'ai dû le faire dans la nuque. Ouh, celui-là il était joli. Je vous couvre, vieux. Hall, il y a une mitrailleuse lourde dans votre secteur. Planquez-vous autant que possible et déplacez-vous en zigzagant. Ok. Objectif secondaire, donc il faut neutraliser le nid de mitrailleuse. Et il faut rester en, se déplacer en zigzagant, ok. Alors j'ai cru voir une mitrailleuse dépasser par la fenêtre là-haut. Ah bah oui, je peux bien rentrer dans ce bâtiment, donc on va aller voir. Putain, mais où je m'en rappelais pas du tout. Oh putain! Y'a un mec qui est passé là-bas. Oh, attention, monsieur, on se calme. Ah, attendez, là-dedans y'a quelqu'un. Normalement, il est mort. Or, c'est un surhumain. Voilà, il est mort. C'est bien ça. Ok, donc là-bas j'avais vu une trousse, c'est parfait. Je les gaspille pas pour le moment. Tout va bien. Je joue bien. Alors peut-être que d'ici j'aurai une belle vue sur la mitrailleuse fixe qui se trouve là-bas en face d'après ma boussole. Ok, il est là-bas. Parfait! Oui, dans les mitrailleuses, on va lancer des grenades. Bonne idée, les gars. Et hop! J'espère que ça passe. Elle a explosé, mais il n'a pas tué tout le monde. Hop! L'objectif n'est toujours pas accompli. Ça veut dire qu'il y a encore des ennemis dans la zone. Peut-être que là-bas je verrai d'autres ennemis. Ouais, là-bas. Ok, mon adrénaline est prête au cas où. Là-bas il y a une trousse de soins. Ok. On y va. Je pense qu'il y a encore des ennemis là-dedans. On va y aller. Attendez. Les gars, allez voir
Putain, je suis bloqué. Allez voir, putain. Là-dedans. Allez voir ce qu'il y a. S'il commence à tirer, c'est qu'il y a des ennemis. Ok, voilà, c'est bien ce que je pensais. Une grenade. Oh, nickel, les gars. Ah, ils ont géré, c'est eux qui ont lancé une grenade, en fait. Ok, ok. Yes. Animation, trousse de soins. Putain, je suis déjà bourré de soins, c'est génial. Quand on fait bien gaffe à sa vie, en vrai, le jeu est assez simple. Enfin, pour le moment. Alors, évitez de parler trop vite, sinon le karma va faire surface. Ah, c'est un cul-de-sac. Je peux pas aller à l'étage. Dans mes souvenirs, je pouvais aller à l'étage de ce bâtiment. Parce que là-haut, c'est du monde. Pourtant, leur en vrai, leur mitrailleuse, je la trouvais super mal mise. Ils couvraient un si petit terrain. Ouais, ok, non, on savait pas traverser la rue ici, mais... Enfin, non, je trouve qu'il... Normalement, une mitrailleuse, c'est censé couvrir un grand terrain, et là, ça couvre une toute petite surface. Enfin, je sais pas. Je la trouve mal placée. Ok, bon, je ne peux pas monter, apparemment. L'escalier, là, bah, il est bouché, donc... Ok, bon, tant pis. Bien joué les gars, on y revient. Après, il faut que je les rappelle, sinon ils vont rester là comme des cons, vu que j'aurais dit d'aller là-bas. Bon, allez, on avance. Un objectif secondaire accompli, c'est bien. Où est-ce qu'on a ici? Deuxième groupe. Ah oui. Deuxième groupe. Neutraliser le Panzer. Oula. Mal en point, lui. Bon, du coup, il y a un Panzer, où ça? Là, bah, oula, il est loin. Ok, donc apparemment, il y a un Panzer qui leur a bloqué le passage là-bas. Ok, bah, on va aller le péter. Donc, un Panzer, pour rappel, c'est un char, hein, donc... premier char ennemi qu'on affronte depuis le début du jeu, ça va pas être de la rigolade, je sais pas avec quoi je vais le faire péter, moi. Bon. On a combien de temps de capture, là? Ça va encore. Allez, on continue. Ouh putain, il y a du monde là-bas. Wow. C'est le Panzer qui a fait ça? Aucune idée, mais il va falloir être prudent. Ouh là là, il y a du monde là-bas. Voilà. On va dans le café. Bonjour, j'aimerais prendre une bière. Là-bas. Parfait. Aïe. Petite soin, petite trousse, petite soin, bien sûr. Je sais pas comment est-ce que je vais utiliser mon adrénaline. Ouf, bordel. Là-bas. Hop là. What? Il était pas en train de tomber lui, t'en as un autre. Allez, tu retombes encore. Hop là. Moi je nique tout le monde. Aucun problème. Hop là, putain, je les défonce tous. Oula, qu'est-ce qui se passe, ça explose près de moi, là. Je vais éviter de rester ici. On va retourner dans la rue, maintenant qu'on a fait le ménage. Il ne reste plus grand monde. Là-bas. Hop là. Magnifique. Et je défonce tout le monde, je suis super fort, ou bien le jeu est facile pour le moment? Je défonce absolument tout le monde. Ah, ils font péter la porte qu'il y a là. Ok. Ok, donc on pourra rentrer. Alors là, j'ai vu un petit moment de temps, j'ai vu que les chercheurs qui disparaissent. Hop, voilà, parce que je suis full vie. Oh putain! Ça a explosé juste à côté, le char, il doit pas être loin, voyons voir. Ah ouais, je le vois, il est juste là. Je sais pas si vous arrivez à le distinguer, vous. Le char, il est juste là-bas derrière, ok. Ok, donc c'est bien lui qui fait tous les ravages depuis tout à l'heure.
On va rentrer là-dedans et essayer de le contourner par les bâtiments. En tout cas, pour le moment, la mission, elle avance super vite, je trouve. Pourtant, je ne rush pas, enfin, il me semble pas. Pourtant, je suis déjà là, alors que là, on est à peine à 17 minutes de vidéo, même pas. Du coup, ouais, c'est... Ça va vite, je trouve, cet épisode. Attention, il est pas mort. Adrénaline! Je fonce dans le tas! Là! Mon adrénaline va délai de fini, malheureusement. Il est tiré au plafond. Ok, l'ennemi s'est installé dans une église, apparemment. On se calme, monsieur, avec vos zizi, Sky Minecraft, manana, là. Oh merde, il y avait plein d'ennemis ici. Ah, je me suis précipité, là. C'est bon, il m'a même pas touché. Ils sont nuls. Perfect. Oh putain, il y en a un autre qui s'est ramené. Putain, mais je gère. Là, c'est là, les amis, qu'on voit que ce que je vous ai dit, c'était vrai. Que je suis plus fort sur console que sur PC. La preuve en direct, là. Sur PC, je suis pas si fort que ça, mais sur console, je gère tellement. Non seulement je suis plus précis, mais en plus, je contrôle mieux mon perso et tout. Je préfère de loin jouer sur console, vraiment. Oh putain, il y a encore une explosion pas loin, là. Enfin, y a le chat, il peut nous voir, hein, je pense, de là. Attendez, je vais voir là-haut vite fait. Hein. Les gens, il y a encore une trousse, mais je suis au max. Il n'y a pas un d'entre vous que je peux soigner, là? Mais non, ils sont tous dans le vert, encore. Bon, à la limite, allez, un qui s'est blessé. Toi, là, t'as perdu un petit peu de vie. Arrête de bouger, s'il te plaît, tiens. Voilà, je t'ai soigné. Je prends la trousse, comme ça, j'en gaspille pas. Putain, j'ai beaucoup trop de trousse, je trouve. Malgré que je suis en difficulté élite, dans mes souvenirs, même quand j'étais en normal à l'époque, j'étais difficilement à 8 trousses de soins. Donc, c'est assez étonnant. Finalement, j'ai de bons espoirs de finir le jeu, finalement. Bon, t'avais peur. Oh putain, le char là-bas. Il nous regarde même pas. Oui, il est con. Bon, c'est ce char-là, en tout cas, ça s'est répété. Oui, je vous rappelle que ce jeu, j'ai jamais su le finir en normal. Mais là, ça me semble tellement facile, ça m'étonne en fait. Putain, ceux qui me touchent avec leur garabine, ils font chier. Hein. Oui. Putain, il m'a fait mal, lui. Là. Putain, il y a encore mal juste là. Oh non. Oh, il m'a gangbang, fait chier. Bon, du coup, j'utilise une réanimation. Enfin, attention, j'en ai pas des masses, là. Hein. Ce serait con de mourir avec autant de trousses de soins sur moi, quand même. Là, putain, d'enculé. Tire mon temps, ça, c'est nickel. Ah, putain, moi, je disais que c'était facile, et là, d'un coup, je me prends ça dans la gueule. Faut faire gaffe, Benoît. Oh, la vache! On attend un appui aérien. Le char, il est juste là. Putain, il y a plein d'ennemis partout. Ouf! Le char a été détruit, mais nickel, c'est pas moi qui devais le détruire en fait, c'était le bombardement. Je prends cher là. Attendez, oh, la réanimation est là-bas, nickel. Pousse. Ok, attendez. Je vais me mettre ici à la fenêtre et je vais faire le ménage. Les mitrailleuses fixes juste là. Ça doit dégager ça. Hop. Voilà. Là-bas en face, il y a plein d'ennemis. Ouh putain, il y en a plein. Ouais, parce que j'en ai vu d'autres qui étaient par terre là-bas. Et celle-là, je me gratte l'œil. J'ai un caca d'œil bizarre là. Voilà, dégage. Hop, je prends ma grenade, je dégoupille et je la balance juste là-bas. Reprends mon arme, je me lève, je regarde et boum! Oh, pas loin! C'est pas mal. Mon lancer était pas mal, malgré que c'était un lancer à l'aveugle. Hein. Ok! Il y en a un qui est revenu là! Nice.
Donc voilà, je suppose, l'ancienne église. Ouh, putain, c'est une église en ruine. Je suppose que c'est ça l'église dont ils parlaient. Qu'ils occupent. Ah, encore là-bas. Putain, enculé. Ah, c'est par où? C'est par là. Personne, on y va. On a combien de temps? Ok, je pense qu'on va... Parce que là, on a déjà bien avancé. Ce char a quasiment ravagé toute la zone. Je sens qu'il va falloir ramper pour sortir de ce guépier. Ramper? Carrément. Ben avant qu'on rentre, je vous propose de faire une ellipse ici, comme ça on fait la deuxième moitié après l'ellipse pour éviter que mes captures saturent. Voilà, donc je vous dis à tout de suite, juste après l'ellipse. Ok, re les amis. Et c'est parti donc pour la deuxième partie de la mission. Franchement, je pense que cet épisode-ci, il sera assez court. Je sais pas pourquoi, il est passé vite. Attendez, je suis où? Ah voilà, j'étais perdu. Donc c'est par là. Attention. Détruire l'antenne radio. Objectif secondaire. Ça! Je dois détruire cette antenne. Ok. Bah, elle est de l'autre côté de la grille. Je ne peux pas passer de l'autre côté de la grille. Il faut que je trouve un moyen de la contourner. Ok, go. Là-bas. Là. Ces musiques, elles sont tellement belles. Mais j'ai tellement de trousses, c'est abusé. Ça fait que dans l'épisode 2, à un moment donné, j'étais à 0 trousse, et là, j'en ai limite 2-3 des fois. Putain, y'a du monde à l'entrée de l'église là. Nickel, un petit remontant. Il me le faut. Donc là, on va rentrer dans l'église. Certainement via l'église que je pourrais passer à droite quelque part là-bas pour y aller la détruire. Headshot! Et je suis bientôt à mon adrénaline. Oh, ça y est! Erich Koster, il est là-bas. Oh, il est là-bas dans le fond de l'église, ok. Il est là-bas! Je l'ai vu faire sa chorégraphie de merde. Oh putain, il y en a qui a lancé une grenade, il a fait un beau strike. Oh putain, mais je suis encore full trousse. Regardez, je peux pas la ramasser. Personne n'a besoin d'être soigné? Non? Quoi, un petit peu, tiens. Ah, je suis gentil. Je ramasse ça. Là-bas. Je te lance une petite grenade dans la gueule, mon petit gars. Prends ça! Putain, elle a été déviée à droite. À gauche, pardon. Et je ne... Gauche, droite... De... Voilà l'antenne! C'est bon, j'ai réussi à l'atteindre. Allez, on fait péter. Voilà! Comme ça, c'est fait. Olé! Et une petite réanimation au passage. Merci beaucoup. Ok, nickel. Pour mon adrénaline, moi je propose qu'on l'utilise pour aller affronter le Google qui est là-bas. Donc c'est parti. Let's go. Salut mon petit connard. Qu'est-ce qu'il y a? On a peur? On fuit? On fuit le grand Benouille, c'est ça? Trouillard. Et voilà, il est mort. Et il avait les documents sur lui. Ah. Adrénaline, comme quoi c'est utile, hein. Ouh putain, attendez. J'ai plus de grenades. Là, je ramasse ça. Hop. Nickel. Et si je ne m'abuse, j'ai accompli tous les objectifs, à l'exception du principal, non? Je crois. Ben oui, 5 sur 6, ben voilà. Faut juste faire son laser. Ben franchement, cet épisode aurait été très rapide, les amis. Enfin, attendez, on n'a pas encore gagné, hein, mais c'est presque. Surtout que je vois sur la carte qu'on y est presque, quoi, regardez.
On est là, bah oui. Bah, c'est décidément très très rapide. Un épisode très court, et bah écoutez. Il y a des gens qui se plaignent que je fais des vidéos trop longues, mais voilà. Ben voilà. Là, on arrive dans la campagne, non? Oh putain, il y a plein d'ennemis qui se ramènent là-bas. Ouais, ils nous bloquent la route, mais on va pouvoir sortir, vous inquiétez pas. Nice. Oh putain! Oh putain de merde, il y a un char ennemi! Avec plein d'enfants. Oh attention, attention! Oh putain, il est en train de tout défoncer! Je me cache. Il faut lui faire sa fête à la grenade! Sérieux, il faut le détruire avec les grenades! Oh putain, il nous regarde! Ouf, j'ai pris cher! Il y en a un peu partout des grenades là, c'est fait exprès à mon avis! Oh fuck! Vite, faut que j'aille me cacher! Il y a des grenades partout, regardez. C'est fait exprès. Fuck! On va essayer de s'approcher à plat ventre. On va essayer de contourner le char. Oh putain! J'ai vu une roquette passer au-dessus de ma gueule. Juste là, allez. Monte ta gueule toi, je sais que t'es là. Bon. Y'a pas que le char que je vais me faire à la grenade. Oula, y'a un de mes alliés qui est dans le jaune, là, faire gaffe. Oh putain, il est en train de prendre cher. Reste pas là, attendez. Allez vous planquer là-bas. J'aurais dit d'aller quelque part par là, je sais pas trop où. Mais... voilà, comme ça vous serez plus en sécurité. Et le chat, il y en a après moi. Hein. Oh putain! Il me vise, hein, il en a après moi. Eh hein. Tiens, mange ça. Tiens. Et où tu vas, toi? Mais foncez pas dans le tas, bande de gogol! Allez, on le contourne. On passe derrière lui. Je suis derrière lui, il peut plus rien me faire. Donc c'est ça la sortie. Et je peux pas y aller tant que j'ai pas détruit le char. Parce que c'est ça là, pour fuir la ville, je crois. Oh fuck. Oh fuck. À l'aide! C'est bon. Je suis pas là. Allez, tiens. Mange-toi tout ça. Explose un jour aussi. Putain, mais il leur faut combien de grenades? Voilà. Nice. Tiens toi. Voilà. Je suis gentil avec mes alliés. Bon ben j'ai ramassé plein de grenades partout, mais c'est bon. J'en ai assez. Bah écoutez, on n'a plus qu'à fuir et la mission sera déjà terminée, les amis. Épisode très très court, décidément. Oula, lui, il s'enfonce dans le marécage. Et... allez, tout le monde, on dégage. Mission accomplie. Oh, oh, oh. Et bah ça aura été rapide comme épisode. Mission accomplie, voilà. Wow, et bah épisode très rapide, dis donc. Bah oui, je suis sûr de vouloir sauvegarder. Eh bien écoutez, c'est ainsi donc que s'achève notre campagne de Saint-Nazaire. Voilà, bah franchement, ça aura été une mission très simple. Hein. J'avais des souvenirs que le jeu était quand même plus dur que ça, surtout que là, j'étais en normal à l'époque et que là, je suis en élite, quoi. C'est bizarre, mais bon, pourquoi pas. Ok. Donc logiquement, bah, j'ai tout accompli, donc ça nous fait la médaille d'or et on aura aussi également la décoration de la campagne, ça veut dire. Eh oui. Sauvegarde réussie. Fuir Saint-Nazaire, c'est accompli, voilà, pas de soucis. Le nid de mitrailleuse, on l'a fait au début, c'était pas très compliqué. C'est même mes alliés qui l'ont confirmé l'objectif. Lui, je l'ai éliminé avec mon adrénaline, il a rien compris à sa life. L'antenne radio, on l'a trouvé indétruit. Les documents de navire de l'Afrique du Nord étaient sur le mec qu'on a tué. Et le Panzer, on l'a détruit également. Enfin, non, c'est plutôt un bombardier qui l'a détruit, mais bon, voilà. Médaille d'or décernée, une réanimation attribuée. Mes trois coéquipiers ont survécu, donc j'ai trois trousses de soins pour la prochaine mission. C'est parfait!
Eh bien voilà, regardez-moi ça, vous avez donc reçu la croix du service distingué pour Saint-Nazaire, tout simplement parce que j'ai obtenu les 4 médailles d'or et donc ainsi j'ai pu obtenir la décoration donc du service distingué pour Saint-Nazaire. Donc, on va retourner au menu principal. Et on a donc débloqué la deuxième campagne ici, donc de l'Afrique du Nord. Et ça, évidemment, ce sera pour le prochain épisode, évidemment, que là, on a déjà fini notre mission. Ça aurait été assez rapide, finalement. C'est assez étonnant, j'avoue. On va retourner donc au menu total. Donc, dans le prochain épisode, on va commencer notre Afrique du Nord. Donc, si je sélectionne, on voit donc voilà qu'il y a deux missions, l'opération en aveugle et l'opération V2. Mais ça, on découvrira tout ça la prochaine fois. Voilà. Et donc, on a fait donc avec succès Saint-Nazaire, on va quand même venir voir ici, donc là voilà, vous le voyez, on a la grosse médaille pour avoir obtenu les 4 médailles d'or dans la campagne. Voilà, donc prochain épisode, on commence l'Afrique du Nord. Je pense en fait qu'à chaque campagne, la difficulté va augmenter, si mes souvenirs sont bons. Je pense que oui. J'ai quand même le souvenir que la fin du jeu était très très dure. Plus on avance, plus c'est dur. Donc Saint-Nazaire, c'était la campagne facile, on va dire, voilà. On a commencé facile notre aventure. Mais le prochain épisode, on est en Afrique du Nord, ça sera un peu plus dur, je pense. Puis Russie, ce sera encore plus dur. Et peut-être des Ardennes, c'est là où j'étais bloqué. Là, ce sera un mission impossible, voilà. Simplement. Voilà, en tout cas, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode plus court que d'habitude vous aura plu. Mais écoutez, j'ai pas rushé, vous avez été témoin. J'ai quand même été à une vitesse normale, enfin, il me semble, quoi. Et malgré tout, bah, l'épisode n'aura duré à peine que... Combien de temps? Ouais, un peu plus d'une demi-heure, c'est pas très long. Pour moi qui ai l'habitude de faire des vidéos de plus d'une heure généralement, ben là j'avoue que c'est assez court, mais bon. J'ai pas rushé, j'ai joué normalement, ça m'a paru très simple, tout a enchaîné comme pour boire un coup, donc bah ben voilà, on a fini la mission, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc bref, prochain épisode, on commence l'Afrique du Nord, et là je pense que la difficulté va déjà bien augmenter, du moins, je l'espère, parce que là c'est quand même un poil trop facile à mon goût, voilà. Bref, j'ai quand même dû utiliser une réanimation dans cet épisode-ci, c'est vrai, donc je dis que c'est trop facile, mais quand même, on peut se rebuter très rapidement sans s'y attendre, et dans ce cas-là, on n'a pas le temps d'utiliser les trousses de soins, donc il faut quand même faire gaffe, parce que si je meurs trop de fois comme ça en une mission, ben, je pourrais perdre toutes mes réanimations et perdre la mission, alors j'avais encore peut-être avec moi 5 ou 6 trousses de soins, ça serait vraiment très très con, voilà. Donc, faut rester aux aguets, et ne pas sous-estimer le jeu, parce que je pense que ça, la difficulté va bien augmenter. Voilà, bref, je vous dis merci d'avoir regardé ce 4ème épisode, et on se donne rendez-vous pour le 5ème, pour le début de la campagne en Afrique du Nord. Allez, bye bye les amis!